Et yo tout le monde, ici Flish. Aujourd'hui, je tourne encore un épisode à la suite. Ouais, bon, là, je suis en plein Night Fever, la nouvelle saison, quoi. Et aujourd'hui, nous continuons notre play sur Don't Starve, et... voilà. On continue notre play sur Don't Starve, et là, nous étions actuellement dans l'enfer de la maladie, de la Hay Fever, de la, du démon, et... Et des démons, mais bon, bref. Actuellement, nous avons full vie, full bouffe, nous avons plus besoin de bouffe, plus besoin de machin, puisque... Vu tout ce que nous pouvons récolter là-bas, on aura plus de problème de nourriture pendant un bail. Cependant, il va falloir qu'on récolte, il va falloir qu'on trouve le plus rapidement possible un masque à gaz. Cependant, étant donné qu'on va pas faire les conneries de la dernière fois, c'est-à-dire prendre l'argent avec nous et ne se le faire voler. Je pense qu'on est bon. Aïe. Voilà, d'ailleurs, dehors, ils se battent contre les chauves-souris. Attendons, bah, c'est à pleine lune. Par contre, on va devenir fou, comment je vais faire? On va devenir fou, ça c'est sûr. Bref. Objectif numéro 1, se débarrasser de la fièvre. Objectif numéro 2, remonter notre santé mentale. Bon, sauf maintenant on a une vraie arme, mais bon. C'est les objets qu'on risque de drop qui va m'embêter. Lui il veut toujours ma mort, je crois. Ou alors il m'a oublié peut-être. Très sympa. Achoum. Chaque éternuement vous fait perdre 5. Enfin, vous avez environ 2 éternuements à chaque fois, donc vous perdez 10 santé mentale. Sachant qu'environ ça prend environ 30 secondes. Donc en gros, vous allez devenir fou en quelques minutes. Il nous faut absolument le masque à gaz, sinon c'est la fin. Et allez, une petite créature. J'en avais vu une par là une fois. Aïe. Bon bois. C'est quoi? C'est mon petit marteau. Ouh, il est là. Faut essayer de le bloquer. Attendez. On va essayer de le bloquer. Rien. Pourquoi tu peux pas construire un mur? T'as pas Trump? Non mais je suis con, il va pas repasser par là de toute façon, de toute manière. Ça a rien. Bon. Allez, on va dire que ça va nous aider un peu. Allez. Bloqué. Oui, ne bouge plus. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. 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 Voilà. Bien sûr, je te tue au passage. Il avait une autre plume que j'ai qui est tombée dans le vide intersidéral. Bon, c'est pas grave. On a ce qu'il nous faut. Achoum. Qu'est-ce qu'il nous fallait ensuite? Il nous fallait. Il nous fallait une. Comment s'appelle un. Il faudrait revenir. Où est mon ballon? Mince. Ah mais le vent a dû pousser le machin. Donc on va retourner en ville. On va acheter le... Oh, une fleur exotique. Tchoum. Et tchoum. On va acheter une fleur. Attends, ça on va couper du bois. C'est ça en fait, c'est les spores qui font ça. Bien sûr les cochons ils sont immunisés à tout. C'est vraiment l'environnement. En fait, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que les saisons passent très très vite dans le jeu. Genre, tous les 10 jours, depuis les saisons durent environ genre 15-20 jours. Là, elles durent que 10 jours. Mais 10 jours, c'est déjà horrible. Bon. Ah. On a combien? On a 40. Ça, les étudiants peuvent nous attaquer. Les étudiants peuvent nous attaquer. Je parle très bien français. Bien sûr, j'ai pas pris l'argent sur moi, donc on doit faire un aller-retour pour rien. Imagine, il y a eu des bombes nucléaires qui ont explosé, c'est pas possible. Ma viande! Mais guigue! L'argent, vite. Lui il va devenir tangible. Il faut absolument pas qu'il soit à zéro mon personnage. Mais de toute façon j'ai ça qui va me régénérer un peu ma santé mentale. J'espère que t'as eu tissu mec. Oui. Non non, j'ai l'argent!
T'as un... Ok, non, c'était juste une pièce de... C'était juste une pièce, pas les... une pain coins. Qu'est-ce qu'il fallait ensuite? Gaz masque, il me faut une peau de cochon. Gaz masque. Ça va. Il me faut maintenant des seed pods pour enlever toute la maladie que j'ai sur moi. Wilson avec un masque à gaz. Bon, alors on va devoir respirer les... on va devoir respirer la mort. Bah, on est infecté. Attention, éternuement. Ma machette. Comment ils se sont fait buter au fait les cochons? Ils se sont peut-être fait attaquer par les écureuils peut-être. Putain, l'animation d'éternuement me fait toujours. Putain, il avait. Le machin avec. C'est bon! Nous sommes soignés de l'infection! Nous sommes soignés de l'infection. Maintenant, nous devons nous soigner l'esprit maintenant. Car on dirait en plus que... Attendez. Oui, en plus le masque qui fait descendre la santé mentale. Tout n'est que feu. Oh là 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 là. Il me faut un garde. Il me faut un garde du corps. Vite. Les flancs les bouffent. Il faut un garde du corps, il faut quelqu'un avec nous pour survivre à cette épreuve. Car oui, là actuellement, avec le nombre de bouffe qu'on a, on va rester chez nous. On va pas bouger. Oh, bien sûr, il va faire nuit d'une seconde à l'autre. Putain, en plus le machin il descend. J'achète ça. Garde! Aidez-moi! C'est pas Derry, non c'est Edouard. Oh, je connais votre frère actuellement. Vite, 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 vite. C'est à pleine lune en plus. Je reste avec moi. Viens avec moi. Un feu. Ça restaure la santé mentale que quand on le bouffe, ou quand il est cuit ou quand il est pas cuit. Quand il est cuit, 5 de santé mentale. Pas très utile en soi, mais bon. C'est pas vraiment de cela la vie. Mais toi, viens avec moi. Viens à côté du feu, s'il te plaît. Voilà. Un terror back. Non! Putain. Alors. 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 On est dans la merde. Non, 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 non. Putain. Ma vie! Je suis mort. J'espère qu'il va pas j'espère qu'il va disparaître. Ça restaure la vie. Attends, c'est cru que ça restaure la vie ce machin. Mais c'est cru. 80 PV supplémentaires. Oh, et la pleine lune, ils dorment. Reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi. Puis il y a la fièvre dehors en plus. Non, un Pikmin. Est-ce que la folie enlève la fièvre ou c'est moi? Alors attends, est-ce qu'il est encore dedans la créature? C'est bon, il n'y est plus. J'ai rien dit peut-être. La santé mentale. La santé mentale. Pire, vous savez quoi? Attendez. Avant que ce soit la fin de la nuit. Dormons. Même si c'est qu'une. Même si c'est que 10 secondes. On reste un peu la santé mentale et pas des masses. Le masque à gaz vite. Reste avec moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas seul. Ok. C'est bon, on a remonté à un niveau suffisant.
Ouf! Ah, c'était chaud! En fait, le masque à gaz, il fait. Attends, ça se recharge comment le masque à gaz? Ouf! Ouah, est-ce que ça se recharge pas? Il faut le recrafter à chaque fois! Non! On est dans le. Don't starve! Gaz. Masque. Gaz masque. Ok. Ok, actuellement en fait ça va être très problématique car ce masque là, comme vous pouvez le voir. Attends, est-ce que si je le retire et que je le remets. Parce qu'en général en fait quand je le mets en fait ça enlève en fait la faveur. Est-ce qu'en fait est-ce que ça l'enlève? Je sais pas. Il faut qu'on reste en santé mentale en restant à côté d'un gros cochon. La logique. Bon. Alors, tout de suite après, en fait, on va repartir. Allez. Bah, parce qu'en fait, maintenant, ce qui est bien, c'est que la prochaine saison, à la saison. Parce que. Je crois qu'il n'y a pas de saison, en fait. Après, là, on revient à la saison tranquille du début de partie. Dès qu'on sera à la saison classique, la saison tranquille, pas de problème. On va commencer à explorer les jungles. En plus, grâce à ce masque à gaz, on va pouvoir facilement explorer les. Oula. Vous avez vu autour? Attendez, est-ce que ça le pré. Attends, est-ce que ça l'enlève? Ou est-ce que ça le. En effet, en fait, ça l'enlève. Donc, il faut le mettre de temps en temps. Pas tout le temps. Voilà. Quand la santé mentale. Bon, ceci est une journée classique, c'est Wilson. Là, ça te fait disparaître. Ça fait disparaître, en effet. Donc c'est bien ça en fait. Wilson, il absorbe des spores. Et ces spores en fait lui font éternuer et donnent cette horrible fièvre. Pourquoi ce n'est pas ironique? Oui, tu vas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Faudrait peut-être le mettre là-haut comme ça je puisse voir en fait les crafts qu'on puisse faire. Bien. Bien. Bien, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait crafter qui serait intéressant? Je sais pas comment. J'ai dû éternuer tout à l'heure, on a perdu la deuxième hache, c'est un peu triste quand même. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais crafter d'intéressant? En fait, si j'avais su, il y a cette machine-là. Non, pas cette machine-là. Cette machine-là qui permet de repousser en fait la high fever, justement cette fièvre. Il faut juste être à côté d'elle et ça marche. Sauf qu'il faut de l'alloy, et pour avoir de l'alloy, pour un smelter, il me faut une red gem là. Et on n'en a pas trouvé depuis le début de la partie. Et les trouver, c'est que dans les donjons. Ouais. Sinon, dans ce champ, est-ce qu'il y a des nouveaux objets? Bon, là, il y a une grotte, mais on va garder quand même nos quatre pièces d'or. Albarde, bah, c'est comme ça que vous faites les albardes avec l'alloy. Intéressant. Faut vraiment que je pense à l'enlever et le remettre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on reste. Ouais, ok, il se passe pas grand chose, les gens. C'est vraiment épisode tranquillou à la maison. Ah, ouais, en plus, on les voit les petits spores se déplaçant dans la maison. Après, un jour, il faudra aussi remplacer ces vieux piliers dégueulasses, mais bon. Ça sera pour une autre histoire. Ou est-ce que c'est ces machins-là qui, par hasard, ne parasiteraient pas la maison? Et là, ça va faire disparaître en théorie. Ouais. Bon, ça me stresse d'avoir de l'argent sur moi. Ouais. Allez, reste avec moi. Attends. Bien, bien. Non. Je préfère être là-haut, comme ça, on peut voir toutes les recipes. Non, viens par là. Par là. Voilà. J'aurais peut-être pas dû tuer l'autre créature, en fait, le machin. Le machin. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on sera prêt pour la prochaine saison.
Ces plumes-là, on peut pas les obtenir. Construction, pas utile. Il faudrait beaucoup de bois. On a beaucoup de bois en fait au passage. Enfin, on a beaucoup de bois. On a 20 bois. Non, si la barbe serait utile en fait en soi. Parce que la barbe, elle protège de la chaleur. Elle protège de la chaleur. Elle donne de la chaleur justement. Est-ce que du coup, elle serait utile ou pas? Je sais pas trop en soi. Ça c'est pour appeler peut-être le... Ça c'est sûrement pour appeler l'énorme créature du démon qui nous a attaqué à quelques épisodes précédents. Mais le machin, le démon... Mais, je trouvais très classe au passage, genre les arbres qui poussaient sur le... qui poussaient sur l'oiseau, ça fait vraiment en fait un peu, voilà, jungle, créature incroyable qu'on connaît pas. Mais bon. Bon là il souffle automatique. Alors j'espère qu'il n'y a pas une saison chaude, parce que je pense que c'est ça la saison chaude justement. Peut-être qu'il y a vraiment une saison chaude après. Après, je sais qu'il y a la saison Apocalypse. Qui est une saison du démon, où c'est horrible. Tout, en fait, c'est comme si toutes les saisons, tous les malus de chaque saison étaient mis en même temps. Et en même temps, il fait nuit tout le jour et tous les shops sont fermés. Genre, Apocalypse, c'est vraiment l'apocalypse, quoi. C'est vraiment la fin des temps, quoi. Mais justement, en fait, l'apocalypse n'arrive pas tous les ans, en fait. Justement, je crois que c'est ça, justement, le principe de cette saison. Et il y a un calendrier caché quelque part sur la map. J'ai lu ça quelque part. Il y a un calendrier et ce calendrier permet en fait d'accélérer ou justement de ralentir l'arrivée de l'apocalypse. Ouais, j'espère qu'on va pas la voir dans quelques jours parce que je sais pas combien de temps dure déjà cette saison, mais si juste après c'est l'apocalypse, on va être dans la merde. Mais bon, en tout cas nous on va devoir commencer à bien explorer. Il faudrait surtout qu'on puisse acheter un mineur hat, acheter ou crafter. Le problème c'est qu'il me faudrait des fireflies et pour les fireflies. Je sais pas où on trouvait en plus les Firefly, ça doit être dans les jungles. Mais le problème c'est que pour en tenir, il nous faut un... comment ça s'appelle? Il nous faut un bugnet, voilà. Sauf qu'il nous faut de la toile. On a de la toile cachée dans un magasin. Mais après, pour trouver un autre toile, c'est uniquement avec les ours chelous. On va manger de la viande. Ah mince, je l'ai mis trop longtemps sur là. Oui, je sais. Ah, c'est quand même très utile d'avoir un allié. Comme ça, ça sort tellement de santé mentale. On va pas faire de hache dorée, ça sert à rien. C'est ça, il nous faut des cutreds. Vous savez quoi aujourd'hui? On va aller sur l'eau. Voilà. Quitte à se noyer. Quitte à se noyer, on va aller. Non, on va aller sur l'eau. Allez. Aujourd'hui, objectif bateau. Il est quelle heure? C'est combien de temps qu'on est en game en fait? Ça fait 10 minutes. Oh là, ça va. Non, on va déjà aller chercher de la bouffe. J'ai trop de chaussures. Ah, voilà ce que j'aurais dû faire en fait pendant que j'étais. Attends, c'est moi ou toutes les plantes ont disparu autour? Eh mince. Bref. Ça, on va le mettre dedans. Ça, on va plutôt le mettre dedans. Ça, on va le mettre à côté. Mon argent, on va le mettre là. Oh, est-ce que lui peut récupérer l'argent? Putain, le sale rat. Le rat. Bon bref. Déplaçons-nous dans la forêt, là où les spores n'y sont pas, mais ils sont partout, du coup cette chanson n'a aucun sens. Et pourquoi je vais toujours dans la mauvaise direction, c'est terrible. On a combien de... Ouais, on est à 64, c'est bon. Et là, le gars qui nous suit va simplement nous servir à la santé mentale. Non, je vais pas m'amuser à aller dans les temples là. Parce que déjà qu'il faut que je mette le chapeau pour la lumière, le chapeau pour ci, le chapeau pour... Plus tard. Là, ça va vraiment être de la... Ça va être de la vie citadine, littéralement. Je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va farmer les ressources, on va faire les rhinomètres, tout ça. Voilà, on se prépare en fait pour les grandes expéditions qui arriveront. Voilà. Dire qu'en 2014, personne n'aurait cru qu'on aurait vu Wilson avec un masque à graisse quand même. Par contre, ça met masse la santé mentale en plus le machin. Mais bon. Et au passage, j'espère que vous m'entendez bien sur la vidéo. J'espère que ça passe bien sur YouTube. Faudra que je voie un moment comment... Faudra que je voie comment régler ce problème. Ou alors c'est lorsque je passe sur Handbrake que ça détruit le son. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas touché qu'il y a eu des plantes qui sont repoussées dessus. Intéressant. Bon bref.
Alors par hasard, est-ce que les cisailles ne peuvent pas fonctionner? Non, il faut vraiment aller à la hachette. La vieille pelle, on va la mettre là. Salut toi. Ah si j'avais... Oh, j'aurais dû prendre le truc pour récupérer de l'or. Elle est où ma machette? Elle est là. Ah, bon bah il semblerait que je puisse pas récupérer sur eux. Non mais lui. Est-ce que par hasard, en fait, il s'approchait pas du pied par hasard? Tout ce métal devrait être à moi. Ouais, par contre, tu détruis les... Ah bah... Ah, je sais pourquoi on a trouvé autant. C'est que les gardes, à chaque fois, se faisaient buter par le gros robot. Et c'est pour ça qu'on récupère des alberts depuis tout à l'heure. Bon, je récupère ce fer au passage. Enlevons le casque. J'ai une pioche. Une pioche, ouais. Survie. Alors pourquoi il s'approche pas alors du bras? Je sais pas. Donc manger cru c'est la vie. Full vie. Waouh, mais ces plantes elles sont géniales. Genre c'est fur ces machins. C'est vraiment. Si j'avais un frigo, je l'aurais. Si on avait des. Si je savais où trouver des gears. Bien sûr, on a plus de silex. Par contre, j'ai découvert en fait, vous voyez ces machins là en fait. Je croyais que c'était genre des nids d'insectes et tout, mais en fait, pas du tout. Ce sont des. Parce qu'en fait, je voyais les insectes, je voyais chaque fois un groupe d'insectes à côté, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment un. C'est pas un nid en fait, c'est un morceau de pierre en fait. C'est un truc à miner. Avec du fer dedans. Pff, oula, la maladie. Il est où? Juste sous mes yeux. Ouais. On va même passer une nuit dehors pour restaurer notre santé mentale et se nourrir de cette manière. Parce que ces plantes-là, c'est vraiment le... Waouh. J'espère qu'ils vont pas faire un debuff au bout d'un moment. S'il vous plaît, on peut raconter des tonnes et des tonnes et chacune restaure des tonnes de santé mentale. Et de vie aussi. Et de bouffe. Genre ces machins là ça restaure tout ce que vous voulez. Si vous les cuisez, entre cuire ou pas cuire, c'est excellent. Faut faire gaffe quand même aux insectes. Bon là il y avait rien un peu dans celui-là mais bon. Sinon, nous, qu'est-ce que nous voulions faire aussi au passage? Au lieu de juste rester là et à miner et à bouffer. Parce que là il faudrait quand même. Ah oui, je voulais préparer les expéditions suivantes. Attendez une minute. Ah, il faut vraiment que j'aille dans la forêt plus. Ils sont encore. Ça fait combien d'épisodes que vous êtes là, vous? Vous en souvenez? Ça fait des tonnes d'épisodes qu'ils sont là, c'est pas possible. Oh là là. Par contre, ça. Ah oui, ça a vraiment un certain mental. Bon, bref. On va faire un petit feu. Et on va couper de l'herbe aussi. Bonsoir. L'ours du démon. Est-ce que ça, c'est des crottes d'oiseaux en fait depuis le début? C'est tout ce que je veux savoir. Alors, on va restaurer notre santé mentale. Le chapeau, on va l'enlever. Ça lag à mort parce qu'en fait, on est à côté, il y a plein de trucs. Ah, il semblerait que le garde m'ait abandonné. Ouh, une plante carnivore. Ouais, ça c'est ça les plantes carnivores. Oula. Oula, ça lag. Ça lag à donf. Bon là, je vous dis que c'est l'ours qui va. Quoi? Ta fuck? Non, non, non. Pas les mains. Non, non, non. En plus, il y a l'ours qui est à côté. C'est terrible. Quand tu crois être en sécurité, tu n'es jamais en sécurité. Alors le problème, c'est qu'on a ni lampe, ni lumière, ni rien. Oui. Mon garde. Non mais va pas vers eux, espèce d'idiot. Ah mais il me suit toujours en fait ou il... En fait il juste essaie de tous les tuer en fait les uns pour les autres.
De toute façon, ils vont être enfin assassinés au bout d'un moment. Oh. Merci garde, tu m'as sauvé de l'attaque des ours. Peut-être en fait les ours sont très faibles, en fait ils sont énormes, peut-être ils sont très gros, mais en fait ils se font défoncer rapidement peut-être en réalité. J'ai pas envie de me faire attaquer par les moustiques. C'est pour ça que j'ai envie de m'écarter, mais lui il veut tous les tuer. Eh vas-y, tue le dernier moustique. Tue le dernier machin. Voilà, allez viens avec moi. Oui ça va en fait, il était toujours avec moi. Il me suivait depuis toujours. C'est un bon allié. C'est un bon allié. Tu sais que sans toi, je serais mort depuis longtemps. Édouard. Édouard, pourquoi tu pars? Bon bah, écoutons plus de plantes. Et on va les faire chauffer juste après, dès qu'il fera jour, et on restaura toute notre santé mentale. Ah, c'est du bien. Par contre, c'est un peu embêtant qu'on puisse pas le recharger et qu'il faut le réparer avec le kit de réparation qui coûte la moitié de ton âme pour pouvoir le créer. Ah. Alors où était le feu? Le feu est éteint. Par contre c'est l'ours. Alors est-ce qu'on se le fait l'ours par hasard? Ou le gorille, je sais pas comment vous l'appelez. On a deux. On a trois. Mais vraiment, ça, en fait, ça c'est vraiment la forêt des gorilles, quoi. Ça lag en plus. Non, mais il y en a trois, il y en a beaucoup trop. Il y a quoi derrière cette forêt au passage? Il y a plein. En plus, au milieu d'eux, il y a plein de machins comme ça. Alors, oui, j'avais vu au passage. Attendez. Il y avait justement cette plante. Assez intéressante. Qui apparemment permettait de repousser la hay fever énormément. Est-ce que ces lianes, je pourrais pas les couper? Non. Apparemment, il y en aurait là. Oh, bien sûr, le vent commence maintenant. Apparemment, non. C'est vraiment en fait. Ah, c'est lors de la saison des tempêtes en fait que ça paraît. Mais ça, c'est pas la saison des tempêtes. Alors, oui, on voulait aller sur l'eau, c'est vrai. À moins que ça lague trop et que j'ai. Voilà, que j'ai pas trop envie de me faire rebuter. Bon, j'ai senti des vibrations. J'ai senti des vibrations. Bon ben bonsoir l'oiseau. 8 minutes. L'oiseau. Ça serait pas une référence à là-haut par hasard? Bon c'est pas grave. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On va pas essayer de se battre contre ça. Enfin, je sais on va jamais le tuer. C'est moi où il descend très vite. Il descend beaucoup plus vite que d'habitude. Où est le temple? Vite. On va se cacher dans le temple. Bon, bien sûr, l'autre, il n'est pas venu. Bon, on va se faire prendre un peu de dégâts. Voilà, c'est ouvert. Non! Nope, nope, nope. Ah bah, toi, tu t'es resté téléporté. T'es vraiment un chien dans Minecraft, toi. Bon, bref, en attendant, masque à gaz. J'ai encore un marteau quelque part, je crois. On a tout exploré, ici. Ah oui. Il nous faudrait des explosifs. Ouais, il nous faudrait des explosifs, mais on en a pas. Bon, en attendant, récoltons un peu de l'herbe. De la bonne herbe. Ouh, c'est vraiment l'épisode tranquille. Ouais, c'est vraiment l'épisode tranquille. Après, je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire au bout d'un moment si vous avez pas, si vous voulez pas un jeu en particulier. Enfin, je vais pas acheter un jeu juste pour un mec qui me dit, mais voilà, mais si vous avez un jeu en particulier à penser. Un truc qui vous plaît, un truc qui vous passe par la tête par hasard. Et vu qu'il pense, mettez un petit pouce bleu aussi au passage si ça. Si vous avez apprécié la vidéo. Non! Bonsoir. Je me demande si en fait il y a une personne en fait actuellement qui essaye en fait à chaque fois de faire pause pour essayer de voir la gueule de la créature. Enfin le bec. Je pense en soi je peux crafter un marteau en soi. Si on a de la luck, il y aurait une gemme rouge dedans. Mais non, il n'y aura rien. Il y a ça.
Comment qu'on m'y fait pour manger à travers le... Putain, ma santé mentale. Le chapeau. En fait, on a le choix soit entre avoir la hay fever ou voilà, soit avoir le chapeau. C'est terrible. Bon, maintenant, je sais aussi que la tempête, il faut absolument que je récolte à mort ces genres de petites plantes miraculeuses qui pourraient empêcher le... la maladie. Ouais. Putain, je suis entré comme ça. Il est parti où l'autre? Non, ne me dis pas que... C'est plus mon garde en plus. Donc, ouais, on va se casser. On va se casser d'ici. Est-ce qu'il est toujours là-haut, lui? Il est plus là, il est parti. Du coup, est-ce qu'on veut aller sur l'eau? Bah, en fait, franchement, je me suis dit, c'est peut-être une. Ah, il y a un temple juste là-haut en plus, qu'il faudrait fouiller. Non, je préfère pas aller dans les temples, je préfère encore avoir un garde avec moi. Je me sens pas bien tout seul. Il faut vraiment avoir. Vraiment, les gardes, c'est vraiment l'utilité absolue. Ils frappent pour toi, ils se battent jusqu'à la mort, ils te protègent à fond. On va enlever ce casque-là. Mais pourquoi tu... Tape. 8 minutes. Attendez. Ah non, j'ai cru pendant un moment que c'était la fin de la saison de la maladie. Mais non. Il est où mon coupe-ongle? Coton un peu d'herbe. Ah, en fait, ces machins-là sont les nids pour ces créatures-là. Pourquoi pas? Hey, let's go home. Tu veux toujours m'avoir, toi? Ah, il a oublié mes crimes, c'est bien. Il a oublié mes crimes. C'est terrible. On va pas dépenser 10 pièces maintenant. Ou si, peut-être en fait, on devrait dépenser les 10 pièces. Mais déjà avant, je veux me restaurer. Restaurer ma santé mentale. Restaurer notre bouffe au passage. Mais ces légumes, ces machins, c'est le futur. Il faudrait absolument qu'on ait des frigos. Je remplirai le frigo de ces machins, c'est incroyable. Regardez en plus la nourriture que ça rend. Du coup, nous, on va aussi couper les arbres. Comme ça, on va, comme ça, vous verrez un jour ma forêt, bande d'ignorants. Et ouais, je suis tellement riche que j'utilise même ces machins-là. Oula. Quoi? Mais qui? Passe. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur d'hallucination? C'est vraiment pété ces machins. Vous avez peur de quoi? Vous avez juste peur de mon hallucination en fait? Vous ne connaissez tant pas le Shadowverse? Ouais, en fait, le Shadowverse, c'est les Anglais en fait qui ont inventé en fait que l'univers de Don't Starve, enfin le monde de Don't Starve créé par Maxwell, ils l'ont appelé le Shadowverse. Et moi parfois je le dis comme ça, j'aime bien, je trouve ça cool. Voilà. Mais en français tout le monde appelle le monde Don't Starve en fait. Masque à gaz. C'est un masque à gaz qui est en train de exploser. Il va falloir vraiment que je l'utilise de manière de manière vraiment à ce que je l'économise au maximum. Sinon, il va falloir que j'aille chercher juste après des plumes. Je pense que ça va être ça justement le truc qu'on va faire. Cette saison en fait nous donne énormément de bouffe. Par contre, elle nous donne un nouveau problème à la hay fever. On va la mettre. Ouais. Il a fallu que je range ça au passage, mais bon.
Faudrait que je plante ça aussi. Oh. C'est quoi? C'est des chauves-souris? Oui, c'est des chauves-souris. Bonsoir. Oui, tenez. Ah, ça va, là c'est pas bugué. Là je peux en donner autant sans devoir à chaque fois regarder le sol. Non, pas acheter de la bouffe, c'est bon, on a large. Et elles sont là. Les chauves-souris. Donc on va rentrer tout de suite à la maison et on va attendre que les gardes fassent le travail pour nous. Ah. Ça c'est bien quand même, ça c'est bien Hamlet quand même. Attendez, c'est moi ou ma maison est redevenue dégueulasse à l'extérieur? Ah, vivement que cette fièvre jaune s'arrête. En plus, je commence à devenir fou au passage. Encore? C'est horrible. Ah, c'est terrible. C'est terriblement terrible. Étant donné en plus que va falloir qu'on achète un garde au passage. J'ai 18 pièces sur moi. On va acheter un garde, ouais. Et notre lance ne nous sert quasiment à rien en fait en soi. Elles sont pas. Attendez, mais j'avais mis une lance une fois. Elles ont disparu où? J'ai mon marteau qui est là. Est-ce que c'est. Ah, peut-être c'est quand j'ai éternué qu'ils ont dû partir un peu partout. Voilà, pour l'instant on reste à la maison, mais. Ou l'apocalypse. C'est l'apocalypse! Bon, sont là, les chauves-souris sont en train de se battre contre les. Attends, what? C'est moi la porte est ouverte? Voilà. Comme ça, je me ferai une passe supplémentaire. Je vais te tuer! Je vais te tuer! C'est moi, il y a des tableaux à droite. C'est pas ce que c'est. Il y a des cochons. Mais bon. C'est vraiment l'apocalypse actuellement. Ah, ce lag. En vrai, c'est peut-être aussi que je suis en train d'upload une vidéo et qu'en même temps, je suis en train de. Il y a personne qui me donne de l'argent en plus. Alors que je suis en train de récolter votre propre merde. Du coup, on va continuer à couper du bois. Où se trouve ma pelle? L'appel de l'aventure. Ouais, génial. Je peux rien faire pour créer une pelle. Bien, on va planter. On va planter. Voilà. Ceci sera une forêt de mon ancien royaume. Enfin, oula. J'ai oublié la Light Fever pendant un moment. Ah bah, ils sont là. Ils sont là-bas. Non! I see you! Je vous ai vu, voleur. Au pire, vous savez quoi? On va faire un méga plat. On va voir ce que ça fait. Youmi-you, les déchets organiques. Si on a 26%. Ça fait juste des blocs de viande, pourquoi pas. Sinon, ça allait pourrir, autant les. Ok, alors, nouvel objectif. Alors. Espèce de voleur. Il faudrait pouvoir le bloquer. Attendez, en fait, j'aimerais qu'il me suive. Non, viens, suis-moi. Suis-moi. Et je suis con, j'aurais dû garder. J'aurais dû poser mon argent quelque. J'aurais dû poser mes 18 pièces. Parce que là, il va les faire tomber, ça va être terrible pour récupérer les 18 pièces. Étant donné que j'ai pas de garde en plus au passage. Et viens là. Allez, viens. What? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'argent que tu veux pas m'attaquer? Comme j'ai pas d'argent, il vient pas m'attaquer le. Oh là là. Il a une vision de. On va juste prendre une pièce en fait.
Ah, viens là. Regarde, j'ai une pièce. Prendre des riches. Ouais, moi aussi, ne t'inquiète pas, j'étais un voleur avant, mais après, on fait les travaux pénitentiaires. Les travaux pénitentiaires. Meurs. T'es bloqué. Tu vas mourir cette nuit. Non, le chapeau qui est tombé dans le vide. je crois que ça va être sur cet échec du chapeau que cet épisode va se terminer. Oh putain, il dure longtemps l'épisode, 40 minutes. Bon ben sur ce très long épisode, je vous souhaite une bonne journée et hasta la vista. Voilà, nouvelle outro. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez la cloche. Allez, bonne journée.